Oui, cela là, dans le travail qu'on fait, dans le niveau ça. Mais pour on moun aller bassin bleu, aller visiter bassin bleu aujourd'hui, dans le sud-est, est-ce qu'on peut lever ou dire ou prendre machine ou aller bassin bleu, si pas une route pour aller là-dedans? On dit on l'école décide de visiter citadelle, on l'école qui gagne 1500 timoun. Dans combien de jours pour arriver à citadelle avec 1500 timoun? Dans la condition que le transport pour arriver à citadelle aujourd'hui, côté gagner en 12 cheval, chaque chevalier qui a pris un monde. Dans combien de temps 1500 personnes ont pu rejoindre la citadelle? Nous disons nos besoins pour pays autosuffisants sur le plan alimentaire. Oui, nous avons construit un barrage d'irrigation. Nous commençons un barrage. Moi, ça dans le travail stratégique avant de voter pour ce barrage sur la rivière Marion. Mais là, nous finissons faire manger dans la zone. Comment nous avons fait transporter pour aller vers le marché de consommation? Une zone de production qui n'a Savandienne par exemple, comment manger sera privé dans Gonaïve, comment y a privé dans Port-au-Prince, si route Maïsad Saint-Michel de la Talaye pas faite, si route Saint-Michel de la Talaye Henri pas faite, si route Maïsad Hinche pas faite, ou bien doit vouloir al faire production agricole dans Savandienne, toutes sortes comme production arrêtée là, parce que ou pas gagné moyen de communication pour sortir dans point A pour aller dans point B. A dit pour sortir dans point côté faire production pour aller dans point côté pour pas faire distribution. Là on parle de route. Nous moi te dit au tout début de mandat. Jodi c'est pas on promesse son réalité côté 10 directions départementales yo en compétition réellement. Moi même avec ministère de la République là nous allons dans le sud-est. Ça gagne 2 semaines. Moi, je vois une direction départementale qui a fait 2 branches pour ensemble. Moi, je connais ton seul lieu d'avoir fait. Chaque direction a commencé à faire une. Ça veut dire qu'il a fait une route, il y a l'autre. Direction départementale sud-est a fait route Marie-Gouvert-Bellance, disons près de 60 km, disons 51 km pour plus précis. Et l'a fait route de Jacmel vers Côte de Fay, en passant par la montagne, en passant par Brésilienne, Bénin, pour aller vers Côte de Fay. Tout de route, ça va faire ensemble. Simultané. Ça veut dire, méthodologie que direction départementale sud-est employé. Moi, profiter du premier anniversaire stratégique avant le changement, pour me demander l'autre direction départementale à regarder sous modèle ça. Parce que ça, moi, je ne dis pas parler de lumière verte, lumière jaune et lumière rouge. Oui, direction départementale, ça, il y a dans une lumière verte, il était net. Bref, comment elle a tombé dans le jaune, parce qu'elle a fait presque en même temps plus de 120 km de route ensemble. Et ce n'est pas route facile. On a parlé de route, de montagne. Avait dit route qui a fait Marigo pour tomber Belance, il faut passer par Pérédo. Avait dit qu'il faut aller passer tout près et Seguin pour descendre vers Belance. Route qui a fait pour aller vers Côte de Fer là. Il faut passer par la montagne, en pile monde a coupé, pour descendre sous Brésilienne, descendre sous Bénin, pour aller vers Côte de Fer. Ça veut dire que c'est des routes qui sont extrêmement difficiles, côté une direction départementale décider de faire 2 branches. Je pense que c'est un bon exemple. Côté un pile directeur départemental, dans l'autre département pays, il y a déjà regardé, pour aller voir ça qu'a réalisé dans le département sud-est. Et je profite de l'occasion ça pour me donner un gros coup de chapeau par le directeur départemental. Sud-est, parce que l'homme dérivé, moi toujours dit l'homme de garde directeur, l'homme a pour mettre équipement en février, je me dis dans la tête, pourquoi j'aime le directeur à camper là, pourquoi il est capable? Et puis c'est le directeur qui puis impressionné 2 mois après, je ne sais même il y a tout équipement, pourquoi il y a un camion? C'est des anciens camions que je viens, parce que on dit tout, tout équipement pour qu'on entre. Nous avons des équipements qui ont entré au fur et à mesure, jusqu'à la fin du mois de décembre, nous avons des équipements qui ont entré dans le pays. Mais pour direction départementale, d'ici la fin du mois de juillet, il y a pour recevoir presque 90% d'équipements qui ont été supposés recevoir pour travail. Mais ça, c'est impressionnant. Les gens qui ont regardé mieux là, nous avons invité nous à regarder dans le sud-est. Et surtout, à partir de fête, c'est le premier même qu'on a, c'est le 30 avril, c'est Saint-Jacques et Saint-Philippe. C'est premier, mais même qui Saint-Jacques et Saint-Philippe, j'ai dit, mon gars vient pour déplacer pour aller dans le département sud-est. D'ailleurs, ma maman m'a souhaité ville Jacmel, bonne fête. Et l'état bon pour y aller regarder
les font ti randonnée font ti tourisme intérieur alors qui gros ce travail directeur départemental Zagne t'a fait l'a fait route aller vers la montagne vers Côte de Fer et route qui sous Tibéredo qui pour aller vers Belance ensemble ça veut dire message l'a passé parole l'a parlé je dis à toute direction départementale prend note il y a travail disons d'ici deuxième trimestre année qui va venir parce que j'en nous dit nous commencer par équipe le 7 février mais n'a fin ba juste j'en dis en décembre mais en fait il y a 90% équipement à partir du mois de juillet c'est ça que fait dit deuxième trimestre ça veut dire n'a parlé du trimestre qui parti à partir de 1er avril pour jusque au 1er juillet toute direction départementale au 1er juillet 2019 toute direction départementale a capable bailler 100 km route que chaque gain pour bailler là. Et nous-mêmes, j'en ai dit, nous avons une infrastructure qui est en place. Par exemple, nous avons deux usines asphalte que l'État a installées déjà dans le pays. Par exemple, trois, l'autre encore fait cinq. Et le secteur privé a près d'une dizaine d'usines. Ça fait nous avons 15 usines asphalte qui sont installées dans le pays, entre privé et public. Ça veut dire que nous avons une capacité avec 15 usines asphalte, son capacité à installer ou à asphalter 15 km de chaque jour. Parce que la différence qui est entre revêtement et terrassement, terrassement est extrêmement difficile parce que il demande un pile de temps pour faire, il faut faire ouvrage, il faut faire travaux de protection, il faut faire un pile de travaux de drainage. Quand sur tout revêtement lui-même, automatiquement terrassement fin barré, chaque jour, on peut faire 1 km route à l'aise. Et nous avons 15 usines comme ça dans le pays. Nous avons une idée, ça veut dire entre privé et public, nous avons une capacité de revêtement de 15 km par jour. Ça veut dire, si nous avons choisi, nous dit 1000 km de route, on a compris. Dans moins que 70 jours, dans une année, nous avons asphalté tout le kilomètre. Je pour nous dire pour tout le monde qui a regardé nous là, le président dit on va regarder, ce n'est pas comme ça nous avons été remonté. Nous parlons avec les techniciens qui sont ministres. Les gens qui travaillent là, c'est des gens qui connaissent, les gens qui sont dans le cabinet. C'est les meilleurs qui sont dans le pays, c'est eux qui nous prennent, nous mettons au service de l'État aujourd'hui. Dit l'un dit on va regarder, c'est avec les gens qui sont dans le deal et ils préparent. C'est l'équipement que vous avez commandé, c'est pas comme ça nous levons le jour matin et nous disons nous commandons l'équipement. C'est tout le monde ensemble. Coordination caravane, ministère de l'agriculture, ministère des travaux publics, ministère de l'environnement, cabinet, président, primature, nous chita, nous planifier, nous disons mais qui s'en a besoin et nous commandons exactement l'équipement nous besoin qui pour travailler dans tout le pays. C'est pour me dire aujourd'hui, pays sous leadership. Pas nous. Nous voulons sortir d'un leadership longtemps dans la politique qui ne fait pas un grand monde. Son leadership participatif, son leadership collectif, c'est ça qu'on promouvoir aujourd'hui. Et dans le leadership collectif, ça, c'est pour ça qu'à travers les ministres, direction départementale, ils ont même travaillé, ils ont fait d'une manière déconcentrée, ils ont fait d'une manière décentralisée. Chaque direction départementale dans le pays a une responsabilité, elle est autonome. Avec dit ministre, les mêmes les approvisionner par rapport à budget ministère des Travaux publics par exemple les approvisionner toute direction départementale pour que direction qui ça a besoin aujourd'hui il a besoin carburant avec paiement de PDM pour employés parce que équipement yo réparation pas sous compte nous réparation équipement avec entretien pas sous compte l'État nous avons 12 000 heures de travail si nous font exercice pour nous être 12 000 heures qui ça est. Si nous avons travaillé 18 heures par jour, nous avons dit que le travail public travaille, j'aime bien monsieur qui travaille dans la province, il travaille presque 6 jours par semaine. Ça fait nous 60 heures par semaine, par 4, ça va plus ou moins 240 heures. Nous avons dit pour une année, nous avons une quantité d'heures que nous travaillons. Ça veut dire que nous pratiquement travaillons environ 3000 heures par année. Nous avons dit que nous avons 12 000 heures garanties. Nous avons une possibilité pour nous travailler pendant 4 ans qui sans l'État pas réparer aucun équipement, sans l'État pas entretenir aucun équipement, parce que le coût d'entretien et réparation d'équipement, il vaut 120 fois plus cher que l'équipement. Alors, si l'équipement vend par exemple 300 000 $, vous avez besoin de 360 000 $ pour entretenir la réparer pendant 4-5 ans. Et pourtant, je vous dis, tout équipement acheté, un contrat que nous faisons avec le concessionnaire qui vend l'équipement, ça et ce sont les meilleurs équipements au monde que nous avons acheté. Nous avons acheté Caterpillar, Komatsu, camion Inno, camion Mack et Volkswagen. C'est les meilleurs équipements que nous avons acheté. JCB. Je dis, nous achetons des équipements
que nous avons garanti qui a travaillé pour ne pas tomber en panne sous contre nous, même si en panne concessionnaire gagne maximum 60 jours pour ranger l'équipement net. Si vous faites 60 jours par ranger, vous obligez de venir avec un équipement de remplacement pour l'équipement de la campagne. C'est ça le contrat dit. Ça veut dire nous n'avons pas un contrat qui fait quand on est pour nos équipements en panne et puis il va laguer là pour le faire un an camper dans le coin. Nous ne pouvons pas le voir ça, longtemps, l'équipement l'état tout neuf, il était en panne dans la rue et puis il va réparer. Pas rien comme ça. Encore qu'on y a. C'est pour nous dire, nous, pour le programme route là, moi, je vais nous garantir que ça finit. Nous n'avons pas son chapitre pour nous mettre passé. Après un an, jour pour jour, nous avons lancé, disons, 364e jour, de mai après 365e jour, nous avons lancé caravane dans la Tibonite. Stratégie aujourd'hui à l'image. Et pour tout le monde qui a regardé nous, qui a attendu nous, moi, je voulais ça clair dans tête tout le monde. Les gens qui ont demandé le budget caravane, les gens qui ont parlé de caravane, comme caravane n'est pas un programme, caravane n'est pas une institution, caravane n'est pas une stratégie que yon président monte sous pouvoir avec une équipe. Ils ont décidé d'aujourd'hui, ils ont parlé de l'État au service peuple. C'est pour ça qu'on coordination dans la caravane, dans les mêmes qui l'a pour bailler rapport chaque jour. Ça veut dire qu'ils ont une note pour le voyer. Tout sur tout ça qu'a fait dans le pays, dit nous-mêmes, c'est un coup, je nous ai dans l'autre pays, par exemple, la première expérience a été faite en Angleterre, nous avons d'autres pays, par exemple, le Canada, la République Dominicaine, l'Équateur, qui expérimentait ça, c'est ça où on délivre une unit. C'est fait au plus haut niveau de l'État, où il y a des mounes qui ont pouvoir, et mounes à eux, ils sont capables de vivre directement sur acteurs qui travaillent sur le terrain. C'est ça caravane. C'est pour un caravane côté son boîte noire qui ont l'argent pour longer par un monde. Caravane n'a pas un ministère. C'est le ministère qui a exécuté le travail. Par exemple, moi, je vois que le document que je recevais sur l'affaire caravane alpha, sur l'affaire alphabétisation, nous-mêmes, nous ne sommes pas nous là-dedans. Nous parlons de pour qui ça, Timoun qui a fini l'école, Timoun qui a fini la philosophie. Secrétaire d'État alphabétisation pour qu'on passe avec vous pour nous bailler une note, même si nous parlons une note pour reboisement tout, nous allons mettre le nombre de monde que tout le monde apprend à lire et écrire avec une méthodologie correcte, côté pour un livre du maître et puis pour un livre de l'élève. On dit, nous avons 80 000 tout le monde qui parlent de San Magaloria. Et puis nous dit chaque tout le monde supposé faire montrer 10 pour lire. Et puis maintenant, ça fait 800 000 personnes qui apprennent à lire. On dit son programme nous mettons sous 3 ans. Nous avons combien de monde qui a connu dans 3 ans. Avait dit justement pour me dire comment c'est des programmes que nous travaillons sur lui. Là, nous finissons faire expérimentation. Nous avons peut-être 4 ou 5 ministres dans la caravane. Donc, on a commencé à continuer pour nous comment pour nous mettre l'État au service. Pour ça faire énergie électrique, là. En plus, j'ai fois fait dans le pays. Mais j'aime te dire, je dis tout le monde, demain, m'apprête 15 mois, c'est ça? À partir de mois mai. Parce que nous-mêmes nous disons, là nous disons que nous avons 24 sur 24 dans le pays, les gens qui ont compté avec nous, nous continuer à compter avec nous. Parce que nous-mêmes, nous clés sur ça, c'est le peuple bon pouvoir, le pas bon pouvoir pour le faire sauver. Et bon pouvoir pour venir servir. Et ni le pas bon pouvoir tout pour quitter le faire saluer. Ça veut dire que les gens qui ont consommé le courant, nous l'avons pour nous payer le courant. Même les gens, EDH, qui est arrivé dans le niveau de recouvrement à 51%, moi-même, je travaille. Pour que d'ici fin d'année, il faut aider à atteindre 75% dans le recouvrement. Parce que un monde qui a au courant, c'est pour payer le courant. Même gens tout le monde qui est dans la production, ce n'est pas moi qui dis la loi. Trois décrets qui te prennent sur l'administration du président Martelly, le décret au clair. Je dis à un monde qui produit le courant, pour distribuer et pour ne pas le toucher tout. Ça veut dire que le pays a nous en 25, un commune la donne, nous appel à manifestation d'intérêt qui est fait dans le mois qui passé. D'ici semaine prochaine, appel à manifestation d'intérêt pour grande ville, pour l'autre 45 communes qui étaient, pour lancer pour tout le monde qui veut produire courant, distribuer courant, collecter comme vous, même que ça a été fait dans le téléphone. N'oubliez longtemps, les gens qui ont nos téléphones dans n'importe quoi, ça a été dit. Bon, bah, je me songe, les petits gens qui étaient les pères. Père là, ils doivent à zone, ça n'a pas un père. Avec dit, et téléco, pas qu'à bord de téléphone. Je dis à mes pères, à mes n'importe tout le monde là. Chaque monde qui a ce gros cellulaire là. Avec dit, c'est technologie. Ça veut dire courant tout, l'eau, mon jour dit, mon n'a produit courant, mais
yo installé la carrière en contrat prépayé, moun sa a une possibilité pour le toucher comme courant avant même li baoul. Ça veut dire l'État pas rien pour l'intervenir là ça. L'État pas rien chaque temps, chaque année pour la mettre 250 millions de dollars dans IDH comme subvention, l'argent qui a construit centre de santé, qui a construit l'hôpital, qui a construit l'école, 15 000 salles de classe déficit que nous avons, nous avons besoin de 450 millions de dollars seulement pour nous construire. Et puis, dans les affaires, gaspiller l'argent en courant, il y a 250 millions de dollars qui ont passé dans la poche. Qui monde, personne, pas même qu'on est, n'a pas acheté 250 millions de dollars chaque année dans le pays. Moi, je dis, et je campe d'elle, pays a pour le courant 24 sur 24 dans 15 mois qui viennent. Ça veut dire, moun qui intéresse à ça, qui besoin de participer dans l'appel à manifestation d'intérêt pour bailler courant, et moun qui là tout cap produit courant qu'on y a cap vendre l'État, yo même vinn participer dans l'appel à manifestation d'intérêt tout l'ouvert pour tout le monde. Mais ça pour nous connait ça l'on bagaille concerne intérêt pays d'Haïti, li pa gen zanmi la dan, li pa gen frè la dan, li pa gen sœur la dan. Pays a c'est d'abord. Elle dit on moun qui konn jodi j'en toujours dit, c'est dans la déstabilisation qu'on va aller, qui vous permet de travailler pour nous réaliser, pour ne pas réaliser, ou font gros faute. Parce que peuple haïtien aujourd'hui, ils comprennent, Gilles Cléry, ils voient bien qui veulent aller. Ils comprennent bien que aujourd'hui, pas de pays sous la terre qui a développé sans courant. Pas de pays sous la terre qui a développé sans route. Pas de pays sous la terre qui a développé sans de l'eau pour vous et jardin, sans de l'eau pour vous. Pas de pays sous la terre qui a développé sans l'éducation. On ne paye pas qu'à camper pour gagner plus de 10% de monde qui n'a pas payé à l'école. Pour nous résoudre le problème, nous avons besoin de construire un seul coup 15 000 salles de classe. Pour nous résoudre le problème, nous avons besoin d'entrer dans la formation continue avec 123 000 professeurs dans le pays. Et bien, pour le faire, c'est COB que nous avons besoin. Bien, COB, ça, il a dépensé mal, il a gaspillé dans le pays, il n'y a pas de monde qui a courage, qui a tête l'État. Qui vous dit qu'il faut s'affreiner, il faut nous camper là, il y a un problème. C'est pour ça que le Premier ministre dans le Valais de prévention corruption, corruption sont assemblés. Si nous arrêtons pour nous parler de corruption dans le pays d'Haïti, qui problème corruption, rien n'a pas jour, rien n'a pas fini. Ça veut dire, ce n'est pas une question de chèque zombie seulement. Ce n'est pas une affaire de monde qui a fait surfacturation seulement. Mais monde tout, qui a bien gros moment l'argent l'État parle sous compte chaque mois. Et puis, ou encaisse le sang que service que l'État a dû jouer dans le bas, c'est corruption. Le tout. Corruption de tous côtés. Je vous dis à nous-mêmes, nous disons, nous parlons et nous prenons responsabilité. Nous, c'est ça que fait. Dernier conseil des ministres que nous avons déclaré avec chaque ministre qui est dans la salle. Tout le monde prend chaque jour. Chaque monde prend courage à demain. Parce que je vous dis, son pays qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, depuis des bons, monde jeune on job l'État, c'est pour nous déformer. On moun konn de bon moun président moun nan c'est pour le président millionnaire. Ça veut dire si m'ta travail m'ta fait million déjà m'a fait mais jodi a m prend pouvoir m'la pour me servir peuple là. Yo paye mon chèque, yo l'état prend tout ça m'te gen sous compte moi, l'état prend en charge. M'pa konn rien, m'pa rien qui sous compte moi. Mais jodi a faut m'prend courage moi même Jean moi nan il avache. M'a commencé faire route il avache là. M'a les compagnons, tout a pas la premier ministre. Pour compagnie en Minichita, l'État est en bail 4 800 000 dollars sous aéroport et la vache. Mais c'est pour quoi que nous avons perdu? Nous allons continuer pour nous continuer de travailler à l'aéroport. Nous allons faire une négociation avec compagnie, plus que travaux publics. Nous avons un pack d'équipement sous l'île. Nous allons utiliser pour nous réduire le montant de compagnie pour nous capables de finir l'aéroport, pour nous faire la vache, une vraie destination touristique. Parce que cette histoire, c'est parler pour nous parler sous problème. Je dis à l'État, il faut nous arriver pour nous attaquer pour nous résoudre. Courant 24 sur 24, nous parlons. Il a vache. L'un finit faire route là. Nous allons installer un réseau électrique sous 30 km. Et nous allons installer 2 MW d'énergie solaire sur l'île à vache. Avec batterie, tout ça. Ça veut dire pour l'île à vache, il y a 24 sur 24. Et zone qui recule, le programme qui est pas éclairé pour aller sous l'île à pour avoir une lumière. Il a vache. Les gens qui ont un projet pour faire un gros projet touristique dans les îles, l'État met route, l'État met courant et l'État met de l'eau tout. Il y a une quantité de l'eau qui est sous l'île à vache, ça nous vient comme rapport qui sort dans le ministère des Travaux publics. Nous avons un déficit de près de 80 mètres cubes sous l'île. Si pour nous faire mettre un système de désalinisation, j'en ça fait dans tout le pays.
pour ça nous nous rappel pour nous prendre l'eau en mer pour nous retirer celle là-dedans pour nous mettre le sous-île pour 100 mètres cubes normalement cherchons un point qui est plus haut d'après ça m'y a comme rapport point qui est plus haut sous-île c'est 150 mètres de hauteur pour nous aller là-dedans pour nous faire réservoir pomper de l'eau mettre dans l'air pour tout le monde qui a un projet pour aller faire l'hôtel dans la vache pour jouer de l'eau pour jouer de courant pour jouer de route c'est ça nous dit ça veut dire nous pas prêter pour nous comprendre un pays n'a pas dirigé et puis c'est problème seulement pour nous. C'est pour nous venir à la solution. Dans affaire data, dans affaire internet, nous dit que le pays n'a pas qu'à vivre sans communication. Ça veut dire Haïti aujourd'hui a un gros problème. Le monde aujourd'hui a travaillé pour aller dans la cinquième génération. Jusqu'à présent, c'est dans la troisième génération. Nous dans 3G. Ça veut dire nous ne pouvons même passer dans 4G. Et l'autre pays a réfléchi pour aller dans 5G. Gongou, mais gon bataille, il y a 14 mois, disons 15 mois depuis le président. Chaque monde a bon nouvelle sur les affaires 4G. Nous prenons une décision pour les à résoudre. Pour qu'il y ait 4G à travers tout le pays. Pour qu'il y ait un système de fibre optique. C'est ça. Il y aurait les systèmes, infrastructures pour les affaires technologie. Nous travaillons pour que l'État ait une infrastructure dans les affaires technologie pour que tout le pays, toute zone dans la République d'Haïti, c'est pas que c'est Port-au-Prince pour leurs besoins. Download on programme, il faut venir côté de plus internet. Ça veut dire. Pays à son, c'est 27 750 km². Elle dit, comment pourrait être, par exemple, on est en zone fort liberté et pourtant pas internet là. Ou bien internet ou rien sur internet ou car sur Facebook seulement, ou bien capable, ou pas internet normal. Moi, je dis ça, c'est pour le finir. Il faut tout pays. Haïti, il y a 10 départements, il faut 10 départements, il y a internet, même avec tout côté. Et pour le faire, il y a des gens qui sont privés. Il y a un pays qui travaille dans le domaine ça. Nous parlons chita avec eux d'ici le mois prochain pour nous poser problème. L'État a un petit coup pour l'entrée qui est très intéressant pour nous. Un bon petit coup qui vous permettre pour nous faire réseau électrique là que nous allons venir souler. Pour nous expliquer nous que nous avons un réseau électrique pour nous construire. Nous voulons parler de réseau électrique national là. Pendant que nous travaillons pour faire courant 24 sur 24 là. Mais c'est pour nous travailler tout pour la zone métropolitaine là, par exemple. Côté nous dessiner aujourd'hui, parce que l'ordre, zone Braneuf, côté qui est tout gros plage là, dans la zone côte des Acadiens, pour aller jusqu'à Léogane, c'est zone métropolitaine. Dans nous avons un réseau électrique national qui a connecté toute zone ça dans le premier temps. Parce que nous avons fait réseau électrique là en deux phases. Nous avons fait réseau métropolitain d'abord, et puis ensuite nous avons fait réseau national là. Réseau national là, il va durer 3 ans, il va durer 4 ans, mais réseau métropolitain, l'entrée en dans 15 mois, nous dînerons pour nous mettre courant 24 sur 24 dans le pays. Pour que nous ayons près de 11 sous-stations, disons, il y a 8 qui existaient, disons 9, il y a un qui tout neuf, il y a 8 lots qui ont même pour les réparer, et il y a 3 lots qui ont construit. Sous-stations, c'est eux-mêmes qui pour permettre que distribution courant dans la zone métropolitaine soit bien faite. Nous voulons pour nous tous comprendre. Les affaires courantes, c'est pour moi qui dans la lune ni qui sous Mars, c'est sous la terre. Tout l'autre pays sur la terre a un problème courant, il résout. Pour qui ça a été un problème courant, nous ne pouvons pas résoudre. Son problème de mentalité, le m'a parlé d'affaires courantes, je veux dire, peuple qui a gardé là, c'est pour nous croire que ça est possible. Il y a fait nous croire que ce n'est pas possible. Et puis c'est nous fait nous croire que ce n'est pas possible. On gens a mis l'autre petit problème parallèle qui a été empêché pour retirer le focus sur les affaires courantes. Nous avons fait courant, nous regardons comme ça. Ça veut dire que nous avons dans les yeux. C'est courant, moi 24 sur 24, et c'est là que nous allons. Parce que nous, tous dans le pays, nous souffrons de ça. On ne paye pas qu'à l'homme, regarde 4 solaires dans le pays d'Haïti. Son seul petit côté dans 4 solaires, là, un petit couleur. Tout 4 solaires, là, tout rouge. Ça veut dire tout territoire paré pour produire courant à l'énergie solaire toute année. Et puis, combien de mégawatts d'énergie solaire l'État produit en Haïti? Zéro. Zéro. Et puis, ça pas fait personne. Tout le monde, ouais, c'est normal, on paye côté de volume solaire. Ça. Combien de mégawatts d'énergie solaire l'État produit? Zéro. Et je dis, combien de mégawatts courant tout pays a besoin net en général? 800 mégawatts. Total. C'est ça que nous avons. Avant, il y a un ministre d'État de l'Inde qui vient dans le bureau. Man. Et puis, il m'a parlé de l'énergie solaire avec lui. Il dit, oh, nous-mêmes, nous avons un gros projet là sur l'Inde. Il m'a dit, monsieur, qui projet? Monsieur dit, l'Inde a travaillé pour le produire
121 tétrawatts courant. Peuple, attendez bien. Je dis, comment est courant? Je dis, 121 tétrawatts. Bon, là même, moi, mon technicien, là, on dit 121 tétrawatts. Yon tétrawatt égale à 1000 gigawatts. Un tétrawatt égale à 1 million mégawatts. Nous même, nous besoin 800 mégawatts. Et puis nous tout traiter sur quoi ça veut dire pays ça au monde ça au cerveau nous même nous on l'autre bagaille c'est dit pas même comprendre monsieur travaille pour produire 121 tétrawatts nous même nous besoin 800 mégawatts entre tétrawatt égale à 1 million mégawatts nous même nous besoin 800 mégawatts bon conscience pour gagner monde qui connaît lire dans pays là monde qui connaît écrire jodi a faut nous commencer réfléchir ou l'autre gens sur développement paysan frontière le monde pas qu'à les ziwa quoi na mettre pour nous Haïti sont plamés c'est 11 millions moun k'ap vivre sur 27 750 km². Il y a des villes dans monde là qui ont 3 fois 4 fois 5 fois 10 fois n fois moun za nous sommes dans sommet des Amériques au Pérou. La ville de Lima, c'est 10 millions de personnes qui vivent dans la ville. Et puis ici, dans le pays, nous avons 11 millions de personnes. Et puis nous ne pouvons pas comprendre. Fuck. Nous avons une vision partagée. Il faut nous faire moun yo comprendre que les gens vivent là, ce n'est pas ça. Et les gens pourraient vivre dans l'autre façon, c'est l'heure de accepter que l'État doit jouer un rôle. Et mais rôle l'État, je dis, dans les affaires courantes, c'est pour nous mettre énergie électrique dans tout pays. Nous entendons pile parole à parler, là nous parlons avec Kaipam Kleria, il y en a qui disent que c'est Kaipam Kleria qu'on 24 ou 24 là. Oui là dans tout. Parce que moun k'ap viv dans 5e section communale et non commune Tibouan. Est-ce que réseau électrique là k'arrive sous lui? Non, il pas k'arrive sous lui. Faut nous chercher un gens moun ça pour mal courant parce que c'est dans le pays là vivre tout. C'est ça qui fait Kaipam Kleria, nous monter le programme. Il y a 800 000 personnes, d'après ça, il y a comme chiffre tout. Il y a 800 000 familles qui vivent dans les conditions de la vie. Nous avons mis le courant de toutes 800 000 personnes. Et puis, il y a environ 2 400 000, 2 500 000 familles en Haïti. Restituer à 1 700 000 là. Nous-mêmes, nous parlons sous micro-réseau, sous mini-réseau et puis sous gros réseau. C'est ça. Ça veut dire tout ça pour nous faire. Déjà pour nous bailler courant, nous allons résoudre. Ça veut dire aujourd'hui, je veux que presse là, que nous avons une grosse occasion. Je vous remercie. Nous là aujourd'hui ensemble avec nous. Il faut moins de faire ce dialogue ça aujourd'hui pour nous comprendre que les affaires courant, c'est pour nous affaire de slogan de lui. Courant sont réalité de lui. Nous parlons de route, nous parlons de courant. Nous, ouais, nous sommes visualiser tout ça dans la vidéo. Mais nous ne parlons pas de curage, son point qui est important en pile. Pays a environ 284 rivières capables de jeter dans la mer. Rivières sèches, rivières qui ont de l'eau dans l'eau. Plus gros problème que nous avons aujourd'hui, 90 à 95% de villes nous ont fait soit avant une rivière ou après une rivière. Et il y a une ville même qui est en de rivière. Par exemple, la ville de Hinch. Il y a une rivière qui est en Hinch ou en avant. L'eau a quitté Hinch ou en rivière Guayamout. Ça veut dire, je n'ai pas de rivière. Le jour de rivière, ça y est. L'idée d'a dit, on dit, on a un problème, mauvais temps. Nous allons lever nous dans des hinches en bas de l'eau. Bah, qui va jamais faire non? Ça veut dire, il faut nous commencer le travail aujourd'hui. Hein, pour le ministère de l'Environnement, il travaille dans la protection du bassin versant, dans la correction de la vigne. Pour le ministère de l'Agriculture, lui-même, il travaille dans le curage de la rivière. Pour nous bailler l'eau à route. Conseil de rivière tout, n'a travaillé pour mettre barrage, ça veut dire réservoir sur rivière, a dit pour conserver de l'eau. Le, dans la pluie, l'époque sécheresse la vini, pour nous utiliser de l'eau pour nous pomper, pour nous arroser terre. Pour nous pomper, pour nous bailler mon bois. Parce que de l'eau rivière, dans pile pays sous la terre, par exemple Cuba, ici, un pays qui couvre nous, d'ailleurs nous avons pile technicien qui cubain, je vous dis, qui travaille avec le ministère de l'Agriculture. Qui c'est le ministère de planification qui lui-même fait contrat de paiement avec eux, mais le gouvernement cubain, ben nous, presque 15
bon expert qui travaille dans les affaires, barrage d'irrigation, je veux dire. Et nous avons un plan pour nous quitter 12 barrages d'irrigation dans le pays. Dans 10 ans, dans 4 ans, 4 ans. Mais nous commençons le premier barrage là, sous rivière Marion. Et nous profiter pour remercier la direction du ministère des Travaux publics, c'est le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Qui c'est des gens qui travaillent jour et nuit dans l'étude géophysique avec géotechnique qui a fait sous barrage. Et moi, dis directeur, promesse que le FM devant le ministre, M. Jili, il dit que le cap a étude 7 barrages chaque année, depuis que l'équipement qu'il faut. Et le ministre a fait des matchs pour que l'équipement ça reste l'équipement que le laboratoire national a besoin de rentrer. Pour nous gagner capacité dans le pays pour études géophysiques, nous géotechniques, nous c'est nous qui faisons. Et la faculté des saint jean qui gagne une série d'ingénieurs qui ont formé, nous connaissons un cours de master 1 et 2. Nous avons une formation master 1 et master 2 en géosciences. Ingénieurs pour venir renforcer le laboratoire national du bâtiment pour que l'étude géophysique, géotechnique soit faite dans tout le pays pour qu'il y ait un barrage qui soit construit dans tout le pays. Parce que pas de pays sur la terre qui jamais dérapé le développement, ce n'est pas lui-même qui réfléchit. Si nous connaissons un pays qui dérape le développement, ce n'est pas lui qui réfléchit, bon qui veut dire. Ou fin dérapé le développement, l'autre pays qui a vu une supporte pendant qu'on a dérapé là. Mais c'est vous-même qui baille développement en orientation. Je dis, c'est samedi, à travers le ministère de la Défense, l'armée que nous remobilisons, jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans l'armée, d'ailleurs, nous connaissons un recrutement qui va le fait quand même année ça, et nous avons un prochain budget, qui pour permettre que nous ayons d'autres jeunes garçons avec jeunes filles qui rentrent dans l'armée. Pour y aller au travail, j'aime te dire, pour y aller faire guerre contre sous-développement, guerre contre problème environnement qui est dans le pays, pour y aller faire la guerre contre corruption, la guerre contre surfacturation, la guerre contre tout ça qui n'est pas bon. Avec nous, même nous disons, c'est pour l'armée que nous allons mettre sous pied, qui va regarder pour faire perturbation politique. Ce n'est pas ça, nous disons. Aujourd'hui, il y a une situation côté pays, un changement environnemental que nous avons subi en Haïti, nous avons besoin que tout Haïtien mette tête ensemble. Nous te songé. En 2016, ça passe en Haïti. Je dis, heureusement, si nous avons frappé par une catastrophe, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Agriculture, il y a une quantité d'équipement qu'il faut pour ne pas besoin. Au contraire, nous avons un équipement pour nous voyer des mondes. Nous avons une quantité qu'il faut pour nous prendre tête en charge. Nous sommes peut-être fiers. Nous ne sommes pas prêts pour indiscipliner nous, mettre nous dans une situation côté de Jodia. Nous disons, Jean Jodian nous discipliner dans tout équipement ça qui vient, toute direction départementale, il y a responsable d'équipement. Nous ne pouvons pas prendre équipement pour nous mettre sous canton grain de monde. Ça va exister. C'est ça, on leadership collectif, on leadership participatif pour gagner équipement dans tout pays, chaque département responsable d'équipement. Et dans le niveau ministère agriculture, nous avons deux unités de curage. Il y a une qui commence dans la rivière Blanche, où l'autre cap dérapé samedi prochain. Non, il vient à la carrière, par contre, c'est Mathieu ou bien Coujol. Coujol, non, il vient Coujol, cap dérapé samedi matin. Là, nous dit deux unités de curage. C'est pour un petit grand tracteur, non? Nous parlons de la télévision, c'est un pile gros bulldozer pour le travail pour que nous curions rivière dans le pays, non, temps record, pour éviter rivière pas à la poté mon aller, rivière pas entrer quand il dans la ville, nous mettons rivière dans le rôle. Pour ça faire barrage d'irrigation, nous commençons avec une unité là, même quoi que le ministère de l'Agriculture, d'ici fin année, on a bien deux autres unités. Ça veut dire qu'on a bien trois unités de barrage. On a fait trois barrages ensemble. Ça veut dire combien on a construit. D'ici fin année, on a bien possibilité de faire trois ensemble. Ça veut dire trois barrages, on a fait ensemble à travers le pays. C'est pour me dire, nous, en termes d'infrastructure, nous parlons. Équipe solide, ça, là, parlons. En termes d'infrastructure, mais pas oublier pour tout le travail que vous faites, j'en ai souhaité garder le projet social. Il est important en pile. L'un garde le cadre de pauvreté pays. Cadre de pauvreté pays, il y a des zones dans le pays en rouge. Ça veut dire que c'est des gens qui mangent une fois par semaine. Ce n'est pas demain matin ça va changer. Ça veut dire que c'est tout ton travail, pour nous capables de mettre de l'eau dans la zone, ça veut dire que c'est plus pour nous fouiller,
pour mettre de l'eau, pour nous user tes mouns à eux, pour nous mettre dans situation de travail, mais en attendant, faut nous manger. C'est wall projet social. C'est pour ça que nous, pour une grosse décision, là nous sommes montés sous pouvoir, nous sommes joints un programme qui était campé depuis un an, il faut le dire, qui était 400 restaurants, mais qu'on y a, nous augmenter, nous passer de 400 à 775 restaurants communautaires que nous avons fait un test dans le mois de décembre. Nous résoudre tout problème qui est, nous avons campé en janvier, et nous allons recommencer qu'on y a à partir de tests que nous faisons, nous géolocaliser tout restaurant, nous venir sur une nouvelle forme pour que dans tout pays, chaque jour, Haïtiens qui achètent un plat de manger, ça veut dire que les gens qui vivent dans une zone qui est pauvre, en attendant que nous arrivions capables d'augmenter la capacité de production nous, pour que les gens manger, pour acheter dans tout le pays. Programme panier solidarité. Côté, on est obligé de distribuer des rations sèches par les gens pour jouer une possibilité, pour jouer un paquet qui va manger trois fois par semaine. Distribution, ça fait chaque semaine, on a distribué manger ça dans tout le pays. Son gens pour nous dire tout le monde, programme social, nous travaillons, maman chérie, Corée, étudiants, Corée paysan, nous travaillons pour nous retourner dans la place. Mais nous comptons, ça veut dire, nous sommes des présentateurs, là c'est graisse cochon, la petite cochon, grand pile arbitrage pour faire, grand pile équilibre bourgeois dans la dépense létale. Et c'est l'équilibre ça que nous avons cherché aujourd'hui. Et nous demandé tout le monde qui a vivre dans la zone ça. Il faut reconnaître aujourd'hui un l'État qui ouais, un l'État qui songe, un l'État qui pas oublié. Et n'a bien pour nous vivre sur, parce que j'en ai commencé à n'a vivre sur tout le monde. Parce que un pays qui est dans une situation, pays d'Haïti, situation ça, c'est pour une situation qui est facile de relier. Les mandats pile sérénité, les mandats pile tête frais. Même j'en ai États-Unis ont lancé. Mais c'est une façon pour tout cas ici commencer à chiter par l'ensemble. Et c'est là, moi-même comme président aujourd'hui, hein, gouvernement qui l'a, conseiller mieux, nous-mêmes, nous avons des stratégies, nous avons des programmes, nous avons des plans, nous présentons. Mais moi, je connais que il y a pile monde dans la société qui a pile l'autre bon bagage dans la tête. Yo. C'est pour ça aujourd'hui, hein, nous créer espace dialogue ça. Pour tout le monde parler entre nous. Pour comment nous est futur. Dans 15 ans, disons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, c'est pour ça dialogue, ça a l'important pour nous tous, pour nous capter à parler ensemble. Parce que nous avons trop longtemps, l'autre, c'est méfiance seulement qui est établi dans tout pays. Il est l'heure pour la confiance, chita en Haïti. Pour yon, nous avons quoi nous, l'autre, l'autre dit mon bagage, n'a souhait, ou bien hier soir, nous avons réunion avec vous, nous finissons de discuter, et puis demain matin, nous disons l'autre bagage dans la radio. Ça veut dire que ça ne dit pas de la cardinal. Ça veut dire que l'oreille, les gens ont dit aucun tel. Ça passe là. Ça ne dit pas de douce. Ah, mon cher président, c'est politique n'a pas fait. Ça veut dire, comment une société nous capable? Nous ne sommes pas capables de parler comme ça. Politique n'a pas fait. Moi-même, je dis tout le monde ça. J'étais 3 ans, ok? 10 mois et quelques jours, ça veut dire moi-même, je ne peux pas me compter. Ça veut dire élection, dans le pays, il faut qu'il y ait une élection pour renouvellement, ok, d'une manière démocratique, le monde qui l'a pour diriger le pays. Moi-même, en 2023, je ne suis pas là. Mais, société, il faut nous mettre ensemble pour nous dire, mais comment la société, nous, moi-même, je fais une proposition. Je me dis, mais qui ça m'a fait route, m'a fait barrage d'immigration, m'a fait lumière, m'a fait de l'eau. On a construit l'école, parce que pour qu'ils aient parlé de 15 000 salles de classe. On prend exemple, combien de monde qui paraît pour aller à l'école chaque année. Si on attend pour chaque année, ces gens nous sautent dans le documentaire là, c'est 35 écoles que nous construisons. Nous ne pouvons jamais mettre des gens à l'école, non. Pour une bonne stratégie, nous mettre sous pied. On ne sait pas si c'est son crédit, même si on a fait montage pour l'équipement. Parce que vous ne pouvez pas l'équipement, vous cachez pas l'État, vous cachez au cash. L'État prend un crédit. Qui a monté la Banque centrale te permet de nous arriver jusqu'à 150 ou 160 millions de dollars. Et puis chaque mois, le ministre des Finances, là, il dégage pour payer la banque privée, prêter les corps pour acheter l'équipement. Il paye chaque mois. Avec dit, sous 4 ans, nous finissons l'équipement. Même Jacques l'école, c'est même stratégie ça pour nous faire. Parce que nous sommes obligés de construire 15 000 salles de classe dans le pays. C'est une obligation. Si on ne fait pas tous les 15 000 ensemble,
ou dans une situation côté chaque année où les petits monde son service scolaire faut arriver dans pour fin construire toute l'école et puis qu'on leur dit que on a besoin par exemple de 1000 salles de classe chaque année et puis qu'on y a une programmation à travers le ministère de l'éducation nationale où construit 1000 salles mais qu'on y a nous une obligation pour nous construire 15 000 salles de classe dans le pays et c'est ça qu'on a fait dans le niveau ministère santé. Nous avons 122 sections communales qui ont un centre de santé. Mais il faut le construire tout de suite. Nous n'avons pas attendre pour nous dire que nous avons construit 3 centres de santé à l'année. L'année prochaine, nous construisons 6. Non, c'est pour nous construire 122 centres de santé et puis qu'on y a, nous connaît chaque année, mais qui s'est gagné dans le programme. Les hôpitaux de base, le conseil de commune dans le pays qui n'ont pas un service de base en matière de santé. Il faut nous compter quelle quantité vous avez. Pour nous construire tout hôpital de base immédiatement, infrastructure sportive. Nous avons près de 30 terrains qui construisent dans le pays déjà. Dans l'autre côté qui mérite, non seulement pour nous travailler pour nous réhabiliter ça qui est là, pour nous quimber, mais deuxièmement, c'est pour nous construire l'autre côté qui n'a pas gagné. Pas de pays sous la tête de cette infrastructure. Infrastructure, c'est aussi pour priorité nous. Et c'est pour ça, pendant que nous parlé de réforme dans l'État, nous avons fait moun entrer dans l'État. Dans les affaires concours, j'en ai fait dans le ministère de l'Agriculture, dans la direction départementale, le directeur qui nommé là, c'est des directeurs qui sont passés dans le concours. Même gens avec 82 bacs qui viennent dans le pays, je vais parler de bureau agricole communal. Comment pour un bureau agricole communal camper et pour regarder les gens qui sont là-dedans? Je ne vais pas dire ça parce que. Mais l'essentiel qu'on y a, c'est agronome de Bonoval Général. Avec 82 bacs dans le pays, je parle de 82 agronomes qui ont minimum 3 ans d'expérience et des jeunes qui parlent passer dans le concours. Nous allons ouvrir le concours, nous n'avons pas besoin de parti politique, dans les religions, qui sont. Ça qui intéresse nous, on connaissance aujourd'hui, l'État a ouvert la porte là. Pour qu'on ait même ou vient composer, ou passer, son concours lié, 10 000 ingénieurs agronomes qui nous composer. Mais 82, ça crée en premier, c'est bon. Avec dit ça, nous clair pour nous dire que aujourd'hui, nous formons l'État. C'est les meilleures compétences de ce pays, c'est eux que nous mettons qui pour travailler, qui pour servir l'État. Moi, je connais que journée en longue, si nous arrêtons de parler de ça, nous comme projet, et ça me fait déjà d'abord toute journée. Hein. C'est ça que je vais finir pour me dire nous merci. Merci que nous devenons. Merci. Et moi, je pense que c'est une question, je vais vous poser une question. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bonjour Président Luc Nergaro, Radio Télémétropole. Président, le projet en pile, yo bel, leur obtient de yo réaliser après 5 ans en Haïti, car on l'autre gens, c'est ça ou dit, c'est ça ou voulez. Maintenant, gagner un frein considérable, c'est l'argent, c'est l'économie, 144 milliards de gouttes, c'est le budget pays d'Haïti, et il n'est pas sûr que nous avons atteint, nous avons supposé qu'on peut justificatif. Qui place renforcement économique gain dans caravane là c'est caravane dans son stratégie ça va dire là ou pas qu'à faire sans l'argent et de plus en plus pour notre international là a diminué sur ça contre Haïti renforcement économique en lui-même il passe par qui ça en dans caravane là qui place les gain dans stratégie là et comment nous allons faire ça. Merci, très très bonne très belle question. Faut me dire que pour budget rectificatif là et nous avons excédent budgétaire moi ministre dans ça là. Ce n'est pas que son budget nous prend à la baisse parce que nous avons des promesses. Elle dit si dans le niveau, lors de mon budget, il y a deux parties.
il y a investissement et puis il y a fonctionnement. Ça veut dire dans le niveau budget d'investissement, nous avons des promesses que les partenaires internationaux ont fait nous. Si les promesses ne sont pas respectées, ça veut dire là, bon budget rectificatif que nous obligé de prendre, ça veut dire à la baisse par rapport à la promesse. Mais pour ça faire rentrer, il faut nous dire que la prévision était 94 milliards, aujourd'hui nous avons environ 200 milliards. Ça veut dire que la prévision nous a augmenté. Nous devons être clair pour nous comprendre partie ça. Pour ça faire, qui place les affaires économiques dans la stratégie de la vente, il faut me dire que ce n'est pas toute bagaille en matière stratégique que nous avons dévoilé devant la presse, comme ça. Il faut nous dire que nous travaillons pour que aujourd'hui nous ayons des fonds de garantie qui entrent dans le pays, pour que, par exemple, l'agro-industrie, le développement agro-industriel vienne en réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier l'argent trop cher en Haïti. Ce n'est pas que l'on dit l'argent trop cher, nous ne voulons pas parler de crédit. Parce que le crédit qui vient dans le pays, c'est un crédit qui permet de consommation seulement. Ça veut dire un crédit qu'on peut acheter pour revendre. Mais pas un crédit qui permet de faire investissement dans la production. Mais quand il y a un travail pour des instruments que nous avons à travers le ministère des Finances, à travers la Banque centrale, pour que la banque privée soit capable de garantir, même si ça soit fait dans la sous-traitance, il y a une série de monde aujourd'hui qui a construit des parcs industriels privés dans le pays, mais c'est l'argent qui est garanti par la Banque centrale qui est aujourd'hui prêté à des taux d'intérêt qui sont entre 5 et 7%. Et quand tu tout taux de référence aujourd'hui dans le système financier en Haïti, il est presque 14%. Mais priorité pas nous, on prend exemple agro-industrie qui si on a une priorité nous, nous travaillons pour nous joindre des fonds de garantie qui permettent que nous baillons un taux d'intérêt. Ça veut dire qu'on monde qui dit qu'on a besoin de monter une usine de décorticage de riz dans le pays. Ou besoin de compléter. Et bien, canalisons le ça pour un fonds ça, pour permettre de joindre des crédits appropriés, des crédits qui ne peuvent pas dépasser entre 5 et 7%. Pour Radio Télégalaxie, président Caravane a dénoncé au niveau de la Tibonite. Nous connaissons un objectif Caravane dans la Tibonite, c'est l'augmentation de production du riz. Et ancien ministre de l'Agriculture a dit que la production augmentait, mais qui ça qui fait que sous marché local, le prix du riz local n'a pas baissé? Eh bien, il faut me dire que c'est la loi de l'offre et de la demande. Son principe élémentaire en économie. Nous avons besoin de 600 000 tonnes quand tu tout acheté. Est-ce que 500 000 tonnes? Bon, faut me dire, avant qu'on ait lancé dans la Tibonite, nous avons produit environ 80 000 tonnes, mais quand on a 120 000, on a plus ou moins. Ça veut dire qu'il y a entre 30 et 40 000 tonnes en plus qui ont augmenté. Maintenant, ça n'a pas assez pour baisser le prix sous marché. C'est pour ça que je dis, il y a pile stratégie que nous avons mis, par exemple, semences. Dans le pays, nous avons produit 2 000 tonnes de semences pour toutes 2 000 tonnes de semences du riz seulement. Mais, qu'on y a un travail pour nous sortir de 2 000 tonnes à 20 000 tonnes. Ça veut dire, donc il y a trois plaines de production, on a parlé de trois grandes plaines, la vallée de la Tibonite, la plaine de Maribaro et la plaine de Torbec. Mais pour trois plaines, ça, nous avons produit 2 000 tonnes de semences. Et là, pour parler de production, premier côté pour aller, c'est dans l'intrant. Nous parlons de semences là, nous parlons d'engrais, nous parlons de l'eau. Ça veut dire, ça, c'est des gros contraintes. M'a dit au tenon jusqu'à présent pour augmenter la production du riz dans le pays. Prix du riz pas jamais qu'avin diminuer si nous pas travail pour aller vers une augmentation considérable de production. Nous avons dit pour au moins pour nous arriver pour nous faire on va 70-30. Elle dit nous capable produire 70% et puis qu'on y a là maintenant nous acheter 30%. Parce que les voisins en République dominicaine, ils ont mangé presque même quantité de riz avec nous. Mais ils ont acheté 15 000 tonnes seulement. Merci. Ça veut dire nous-mêmes pour ça. Et puis sous 85 000 hectares dans la production du riz. L'autre vallée, la Tibonite, pleine Maribaro, Torbec, beaucoup même parler de l'autre type, pleine Solon, pleine d'Abraham, ou presque dans 75 000 hectares. C'est pour me dire que nous avons une capacité, sauf que yo, même actuellement, il y a fait plus que 10 tonnes d'hectares, nous-mêmes n'avons fait moins que 3 tonnes. C'est pour ça que nous disons pour nous travailler, pour nous augmenter la productivité. Nous. Et puis là, ça a. Pour prier, mais ce n'est pas demain matin. C'est tout ton travail. C'est pour ça que je dis, le peuple a compris ça clair. Ce n'est pas demain matin où vous allez dire pour changer, pour sortir dans 80 000 tonnes, pour aller dans 500 000 tonnes. C'est tout un processus. Il faut nous travailler sur le système de drainage valide de la Tibonite. Il y a un problème.
nous travaillons pour que le reste drainage la fête. Parce que en pile monde comprend que production agricole, c'est aux États seulement. Drainage là est aussi important que de l'eau. Mais pour tout le monde comprendre ça, ça veut dire évacuation de l'eau est aussi important que réception de l'eau. Et dans Valéa, nous avons pile problème d'évacuation de l'eau parce que nous avons pile terre qui n'a pas de capacité de production dans Valéa, c'est parce que de l'eau n'est pas évacuée ou bien mal évacuée. Bonjour, je donne le Sénat pour le journal de Nouvelles, c'est Magique 9. Monsieur le Président, sur le projet de construction aéroport Ila Vachla, vous parlez d'une avance de 4 800 000 dollars que vous faites avec une compagnie. Mais nous avons porté plus de détails. Et sur ça, qui compagnie vous fait avance là, et contrat, détail contrat, c'est qui ça? Et qui rapport qui gagne entre projet ça avec un ancien projet de construction aéroport Ila Vachla qui était financé par le Fonds Petro-Caribé, nous connaissons qui était campé. Eh bien, moi, exactement, j'avais dit non. Dans la continuité de l'État, alors, ou bien dit, ce n'est pas nous-mêmes qui venons rencontrer, nous accompagnons. Dans le dossier, nous venons joindre. Nous joignons la compagnie Estrella de recevoir 4 800 000 dollars déjà pour l'aéroport. Et la compagnie Estrella a fait plus d'aéroport, je parle de travaux de terrassement, c'est pour le revêtement, à 80% fini. L'analyse, c'est ça, nous constatons. D'ailleurs, le ministre est allé, il a vaché dans l'avion, c'est sous piste là. Nous n'avons que faire nettoyer parce que ça, il a existé. Maintenant, décision que nous prenons, plus que l'État prend charge pour faire 23, disons, environ 30 km qui vient sous Iléa, l'État a un équipement lourd sous Iléa et pour transporter l'équipement sous Iléa, c'est un pile travail. Maintenant, nous dit que nous allons demander au ministère de la République pour citer avec compagnie, puisque il y a 4 800 000 dollars dans le même déjà, et le contrat a passé pour environ 20 millions de dollars. Maintenant, pour 14 millions, disons 15 millions de dollars que l'État a, comment pour nous faire? Parce que l'État est là, nous avons un équipement sous Iléa, qui, en tant qu'il a fait, pour baisser le prix de la l'État, et puis pour le construire, puisque comme il n'a pas compagnie, il est en fond de travail pour lui. Donc nous ne pouvons pas prendre pour nous quitter pour payer à perdu. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons un nouveau contrat, son contrat qui était là déjà, maintenant nous-mêmes nous là, et nous avons pile d'équipement sous Zilea et mes vidéos pour aller regarder le volume de travail qu'on fait sous Ila Vachla, je vous dis, hein, pour avec Dieu Pau, avec dit qu'on y a une pleine négociation pour que entre 14 et 15 millions qui étaient, hein, si nous devons baisser la donne pour équipement l'État qui est l'autre bord, nous devons tout utiliser qui pour permettre avec reste comme ça, nous devons faire plus de travail que l'aéroport dans Ila Vachla. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Nous prenons trois questions locales. Nous ne connaissons pas si nous représentons presse internationale qui l'a. Sinon, nous remercions le président de la République là, et son excellence Jovenel Moïse pour belle présentation que lui fait journée aujourd'hui de qui ça qui fait, qui ça cap fait et qui ça pral fait dans la caravane changement. Nous félicitons tout le président Jovenel Moïse à toute administration là, y compris le Premier ministre Dr. Jacques Guy Lafontaine, pour toute action sa yo kap fèt, particulièrement dans la caravane là, pour mettre le pays nous définitivement sous chemin développement. Nous remercions toute la presse, parole écrite et télévisée qui a fait déplacement, auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, merci encore. Nous avons invité tout le monde à l'assistance là, tant que le président Jovenel Moïse quitte la salle là, pour eux-mêmes tout, ils ont quitté la salle là, mais après. Merci un peu.